Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Hier soir a eu lieu la WWDC d'Apple et la grosse sortie tant attendue d'iOS 15 avec toutes ses nouveautés, dont une que tout le monde attendait avec impatience. Je vais vous la présenter dans cette vidéo. Alors si cela n'est pas encore fait, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne pour continuer donc à encourager la chaîne Vision Hightech, à cliquer sur la petite cloche. Allez, c'est parti pour cette vidéo, mais pour l'instant, place à l'intro. Vision Hightech. Rejoignez cette chaîne. Voilà donc, depuis hier soir, iOS 15 est sorti et personne n'en a parlé. C'est vraiment dommage et pourtant, tout le monde l'attendait. Le contrôle vocal en français est arrivé sous iOS 15. C'est vraiment ultra génial. J'ai téléchargé cette version développeur. D'ailleurs, si vous désirez tenter l'aventure, faites attention puisque avec ce contrôle vocal ou iOS 15, la batterie fond comme neige. Alors, je ne sais pas si c'est le contrôle vocal qui fait cela ou si c'est iOS 15 qui, pour l'instant, le temps qu'il prenne sa place au niveau de l'iPhone, mais je peux vous dire que la batterie, elle est ultra pompée. Donc, faites attention si vous faites l'installation de cette première bêta. Attendez peut-être 2-3 bêtas supplémentaires puisque cette mise à jour iOS 15 sera à partir des iPhone 6S. Donc, aucun souci, n'ayez aucune crainte, avec vos iPhone 6S, vous serez encore mis à jour sous iOS 15. Allez, c'est parti, on va entrer dans Ouvrir accessibilité. Un instant. Regardons de plus près les réglages d'accessibilité. Voilà donc, ce contrôle vocal va aider un maximum de personnes en situation de handicap, des membres supérieurs, en situation d'autres handicaps et pourquoi pas aider les personnes en général qui veulent se servir de leur iPhone par le biais de la voix. Ça va être ultra génial. Voilà donc ici pour vous montrer... Contrôle vocal, non, bouton. Contrôle vocal. Activé. Contrôle vocal vous permet de contrôler votre appareil iOS avec votre voix. En savoir plus, langue, français, France. Et voilà les amis, français, France en contrôle vocal sur votre iPhone. C'est aujourd'hui possible sous iOS 15, c'est vraiment ultra génial. Franchement, il y a des possibilités ultimes, il y a tout un tas de mots-clés à maîtriser et c'est ultra. Franchement, depuis le temps qu'on l'attendait, c'est extrêmement génial. Parce que bien sûr, il y aura une vidéo complète faite sur les nouveautés iOS 15. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Allez, on active ce contrôle vocal quand on l'active avec Siri. Alors, je vous répète, attention, c'est une des premières bêtas et si vous désirez l'installer, n'hésitez pas donc abonnez-vous puisque je vais faire une vidéo comment installer la version bêta développeur gratuitement. Je vous ferai une vidéo dans les prochains jours. N'hésitez pas donc à me suivre sur Vision Hightech. Allez, on active le contrôle vocal avec Siri. Activez le contrôle vocal. Et voilà, je viens d'activer la commande vocale. FaceTime. Je mets mon iPhone en veille. Le contrôle vocal n'est plus à l'écoute. Zéro valeur saisie annulée. Bouton. Alors, souvenez-vous, je vous avais fait une vidéo sur comment déverrouiller son iPhone à la voix. Elle était faite en anglais. Maintenant, écoutez en français comment ça va se passer. Réactiver. Touchez 7. Touchez 3. Touchez 0. Touchez 1. Touchez 7. Touchez 3. Yo. Contrôle vocal réussi. Alors regardez maintenant, par exemple, ouvrir YouTube. YouTube, testé. Bouton. Touchez abonnement. Testé. Bouton. Diffuser sur télé ou enceinte. Touchez accueil. Testé. Bouton. Revenir à l'écran d'accueil. Fast time. Et deux fois l'écran rapidement pour ouvrir. Défiler vers la droite. Essayez. Faire défiler vers la droite. Faire défiler vers la droite. Touche fichier.
Alors comme vous avez pu voir, on a une petite assistance via le voice-over et ça c'est vraiment ultra génial puisque si on ne sait pas ce que l'on doit dire, on peut lui demander de l'aide. Exemple ici, ouvrir centre de contrôle. Essayez, ouvrir le centre de contrôle. Ouvrir le... Essayez, ouvrir le centre de contrôle. Ouvrir le centre de contrôle. Centre de contrôle. Mode avion, bouton, désactiver. Touchez deux fois et maintenez appuyé pour afficher plus de commandes. Revenir à l'écran d'accueil. Fichier. Touchez deux fois l'écran rapidement pour ouvrir. Défiler vers la gauche. Essayez. Faire défiler vers la gauche. Faire défiler vers la gauche. Et réglage. Réglage. Accessibilité. Bouton de retour. Alors voilà, avec le contrôle vocal, on peut faire beaucoup de choses. On peut se gérer son iPhone soi-même. C'est en français. C'est sur Vision Hi-Tech. Je compte sur vous. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous fais dans les prochaines heures une vidéo complète sur iOS 15. N'hésitez pas, abonnez-vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bien sûr, accessible. Portez-vous bien. Et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous. Vision Hi-Tech. Rejoignez cette chaîne.